Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec Myriam. Salam, salam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, excellente nouvelle pour la première fois de notre vie en 10 ans de YouTube. On est invité à passer à la télé. Salam la famille, j'espère aussi que vous allez bien. Eh, mais ça veut dire qu'on va devenir des stars, c'est une dinguerie. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a reçu un mail de la part de Canal Plus qui nous invite à passer à la télévision. C'est incroyable. Donc, en tout cas, on va vous filmer la journée, tout ce qui va se passer. C'est parti. Incroyable, on va aller à la télé, la famille. C'est une dinguerie, je suis trop pressé. Oh, salam alaikum. Ouais, ça va, tu vas bien? Mais qu'est-ce que tu fais là? On va jouer à FIFA aujourd'hui, non? Younes, il m'a dit. Non, il n'y a pas FIFA aujourd'hui, c'est repos. Ah, c'est pas toi qui l'a invité? Non. Ok, je veux bien. Non, il y a pas de problème. J'ai le droit de venir, non? Vas-y, vas-y, viens, on va manger. Oh, vas-y. Vas-y. Non, non, t'es Yacine. Viens, on va manger, vas-y. Assis-toi. Viens voir Yacine, tu fais dans la chambre, je vais te parler. T'inquiète, je vais te ramener des trucs. Vas-y, on va parler. Tu veux du poulet? Non, va t'asseoir, je vais te ramener à manger. T'inquiète, faut que je demande à Yacine s'il a acheté le poulet. Ah, c'est le sujet. C'est le sujet de maman. Ouais. Je suis là, à la raté, mes cousins. Vas-y, va dans la chambre, vite fait. Va dans la chambre. J'arrive, hein. Il y a des canettes si tu veux. Bah, assis-toi. C'est toi, pourquoi il vient? On va faire comment là-bas? On n'a pas le droit. Bon, t'inquiète, je vais arranger ça. Non, non, mais il devait venir, on a dit non, lui aussi il peut pas. Je vais arranger ça. C'est comme chez toi, il y a du poulet. Mange, mon frère. T'es sûr, Younes? Ouais, parce que après, on doit tailler vite. Direct. Ouais, on doit tailler vite. Ah, là, j'ai des feuilles de briques, du poulet, du riz, tu vois, le riz. Bien vu. Par contre, je suis désolé, les gars, quand vous venez à la maison, c'est diète. Merci, Younes. Là, on est dans la vraie vie de Younes, c'est diète. Merci, Younes. Non, mais pas tout pour toi. On partage. Moi, j'ai. Quoi? Hein? Mais il y a que 4 poulets. Yaïssa, t'es pas obélique. C'est vrai, j'en prends un. Tu sais quoi, on partage équitablement. Voilà. J'en prends un. Non, mais c'est bon, garde l'assiette, mon frère. Ah, ok, merci. Une feuille de brique. Non, je veux pas de feuille de brique, c'est pas trop diète. Et voilà, ça c'est mon assiette, c'est bon. C'est bon. Vas-y, goûte. C'est bon. Ça, c'est les gars, c'est la sauce de haut poulet rôti. Ouh! Oulala, juste sang. Les Arabes, les gars, quand ils créent des sauces, c'est quelque chose. On va la goûter. C'est sucré. Ouais, c'est sucré. C'est sucré. Ça fait penser à la sauce algérienne, mais sucré, comme il a dit. Il m'a dit, c'est un best-seller. Ah ouais? C'est le best-seller. Je vais te laisser goûter. Goûte avec la sauce. C'est pas mieux que la mayonnaise. C'est mieux que la mayonnaise, les amis. Et ça, c'est incroyable. Ça transforme un repas triste en un repas joyeux. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Tu as raison. Après, je sais qu'il y a que moi au monde qui mange des haricots verts, mais c'est bon pour aller aux toilettes. Oui, c'est bon. C'est bien pour le système. T'as raison. D'accord. Donc là, tu manges. Et après, moi, je suis désolé, je vais devoir y aller. Tu vas où? On a invité avec Yacine à la télévision. Moi, je me montre invité avec Yacine. Il y a forcément avec Issa derrière. Non, je te mens pas, on a invité à Canal Plus. Ouais, wallah. À Canal Plus. Wallah. Truc de la télé là, oui, à la télé, oui, c'est sûr, c'est pour ça que je t'ai Canal dit. Canal Plus, truc qui fait. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, mange, après je dois tailler. Younes, tu peux pas me faire ça. Wallah, j'ai plus de faim. Qu'est-ce qu'il y a? Taille. Tu m'appelles pas pour Canal Plus? Depuis petit, je regarde Canal Plus. Tu veux venir là, wallah, je veux venir. C'est pourquoi je t'ai pas appelé, j'ai peur que tu me foutes la honte. Moi? Tu fous pas la honte, tu parles les gars. Là, c'est la télé, c'est pas YouTube. Moi, je fous la honte, moi. Là, c'est la télé, c'est pas YouTube. Tu te comportes bien. À Caro. Vas-y, cette image de Baaloul, vas-y, c'est pas grave. Tu peux venir ou pas? Vas-y, viens. Juste tiens-toi à carreau. Mange. Et manger? Vas-y, viens avec nous. Bon appétit. Je peux venir. Myriam, t'as vu, la journée se passe très très bien. Je suis trop contente de la Canal Plus. Il faut que je t'annonce une nouvelle. Quoi? Oh, il y aura des stars là-bas? Non, Myriam, écoute-moi bien. Oh non, je sais. On aura bouffe illimité. Tu pourras pas venir avec nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as de l'école. Et malheureusement, tu pourras pas venir avec nous à Canal Plus. Mais t'inquiète, je vais tout te raconter avec les abonnés. On va tout vlogger, on va tout faire bien. Non, vas-y, ça se fait pas toujours. C'est vous, vous y allez, moi j'y vais jamais. Mais Myriam, la prends pas comme ça, les gars. Elle peut vraiment pas venir. C'est mieux d'aller à l'école que de passer à la télé. Moi, je comprends pas. Eh, hey, vous avez bien mangé? Ouais. On va y aller, on va être en retard là, frère. Attends, Yacine, attends. J'ai pensé à un truc. Vu qu'on passe à la télé, toute la famille vont nous voir. Je vais mettre la veste de l'Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Mais quoi, c'est faut mettre les ensembles du Family FC, Younes. Réfléchis. Comment ça, famille? Tu vas mettre le truc de l'Algérie? Pourquoi? Mais c'est oh bien. Là là, le. Oh mais non, mais on représente l'Algérie, les désirs. Non, Younes, non, il faut mettre le truc du Family FC. Bah, montre ce qu'on doit mettre. Moi, je vais vous ramener les jours pareil avec lui, il me rend ouf. On doit mettre quoi? On est à l'école, on est au boulot. Si ça continue, je vais mettre ça. Si ça continue, je vais mettre cette veste. On va mettre ça, les survêtements wow du Family FC. Pour représenter Family FC quand même. Genre, nous trois, on est habillés pareil. Bah oui. On va même pas être différents. Men in black, bien sûr. Vas-y, bah on va changer. Hein. Allez, c'est parti. Allez. Ouais, on y va? Allez, c'est parti. Wahed clochard. Qu'est-ce qu'il y a? Smarly, Younes, dis-lui, son maillot, il est sale. C'est quoi cette coupe? C'est quoi? On va à la télé, on va pas à la télé. Mais vous nous coiffez, vous nous maquillez là-bas. Non, je vais lui demander, coupe les pointes un peu. Mais t'es un malade. Fais la barbe à ton avis. Mais t'es resté forfait grave. Même lui, il s'est mis bien, il savait même pas, regarde. Ah ouais, va te changer, regarde ton truc, comment il est sale. T'es pas sorti depuis combien de temps de la maison? Plusieurs jours. Waouh. Très naze. Tu cherches quoi, cousin? Hey, wouh. Je
peux mettre cette paire, Yacine? Mais non, t'as pas le droit. Mais pourquoi? En fait, à la télé, on n'a pas le droit de mettre des marques qui représentent quelque chose. Là, c'est trop représentatif, c'est ASICS. Parce qu'en fait, à la télé, il n'y a pas de contrat de pub, il n'y a rien du tout. Ça veut dire qu'on peut pas mettre. Prends les requins blanches, mais je peux pas mettre ça, genre. Tu peux pas, c'est interdit, faut mettre des trucs sans marque. Vas-y, et nous, c'est pour ça qu'on va mettre des trucs du Family FC parce que c'est en mode code familial. Montre une paire de baskets que je peux prendre à la télé. Par exemple, celle-là. Tu vois, il n'y a pas vraiment de marque de représentatif. Tu peux la mettre, c'est tout noir en mode. Et celle-là? Non, tu peux pas, cousin, tu peux pas. Laisse-moi celle-là, tu vois, c'est tout noir un peu. Si le Nike il est noir, on voit pas très bien, donc c'est carré. A few moments later. Faites quoi les gars là? Je suis fort là, Younes. Eh, faut qu'on se mette d'accord sur les réponses qu'on va donner, les gars, faut pas qu'on dise c'est n'importe quoi. C'est quoi la code familiale? Comment ça, c'est quoi la code familiale? C'est une... ça comme question, c'est quoi la code familiale? C'est une chaîne YouTube. Bah, c'est toi non, la code familiale, c'est toi qui réponds. Si dit c'est quoi la code familiale, vous me laissez répondre, ok? Ok. Qui parle d'argent, personne répond. On se regarde de travers. On se regarde de travers, personne répond, ok? Faut qu'on se mette d'accord sur les réponses. Ah, Issa, il fait vraiment, il fait du sport, mais il fait pas de sport, les gars, c'est un menteur. Mais Issa, t'es au courant que ça sert à rien de faire ça? Attends, ça sert à rien de faire ça, il y a l'élastique. Là, un bon exercice derrière des cuisses, il manque que ça là, que j'ai pas fait. Tu veux un exercice derrière des cuisses, mais après tu pourras pas marcher demain. Non, j'ai un truc où on peut marcher, s'il te plaît. Tu vas te mettre à quatre pattes. Pas même pas. Mais toi, Issa, tu vas aller derrière, tu vas lui tenir les chevilles. Mets tes genoux par terre. Issa, tiens-lui les chevilles. Ah, il descend, il remonte. Voilà, il c'est ça. Devant, je vais me faire mal. Tu veux travailler le l'avant avant d'aller à la canne à plus. Vas-y, fais-toi plaisir. On va... Si t'arrives à en faire juste 3, Issa, il connaît. Okay. Vas-y maintenant. Descends. Voilà, maintenant t'en fais 4 comme ça. Et ça fait mal aux genoux. Après, c'est ça le sport. Ah, mes genoux. Ça va, Yacine? Mes genoux, ils font mal avec le sol. Ils font mal avec le sol. Ah ouais, les gars, vous êtes prêts? Là, ça passe. Issa, ça passe pour la télé. On va vraiment passer à la télé. Vraiment. C'est une dinguerie, les gars. C'est bon, t'es prêt, Issa? Canal Plus? Ouais. Les gars, j'ai un peu le trac. Non, arrête. Ne dégonfle pas, te déballonne pas, ça y est, on t'a inscrit dans la liste, non? Tu viens avec nous, frère. Le taxi, il arrive dans pas longtemps, il arrive. Il y a tout le monde qui va nous voir. Tout le monde va nous voir. Attendez, il manque une petite touche, je reviens. Et c'est comme YouTube. C'est comme YouTube. Moi, au début, vas-y, mais s'il te plaît. T'inquiète, mon gars. J'ai trac. On est trois, frère. Je me sens pas à l'aise devant la caméra. Ça va le faire, t'inquiète. Là, il y a un taxi qui va venir nous chercher. Il manque une petite touche, les gars, excusez-moi. Tu fais quoi? Ah! Pas trop, c'est bon! Je pue, c'est ça? C'est bon, Yassine. Tu pues! Ouais, comme ça au moins ça rend bon. Ah! Voilà, t'as dit quoi? On fait comment pour y aller là-bas? Il y a un taxi qui vient nous chercher, on a un code à lui dire, on va lui donner le code, il va nous emmener là-bas. C'est quoi le il code? Il nous emmène dans un désert, il nous. On est trois! C'est pas le bled, c'est la France. On est trois! Oh, on est trois, de toute façon, on est trois, mais on fait quoi à trois, Younes? Patate crochet. Je suis obligé. Tu sais te battre, obligé. T'inquiète, Issa, c'est bon, t'inquiète. C'est quoi ce parfum là? Je vais monter dans le taxi. C'est ça de manger des tacos et des grecs, comment on va faire maintenant? J'ai que ça comme place. Ça va, Younes, t'es bien. Il y a le taxi. Vous êtes pas trop stressés, les gars, ça va? Moi, ça, je suis pas trop stressé, je suis détendu. Et Inch'Allah, ça va bien se passer. Et on verra bien. Qu'est-ce que la code familia? Il a pas révisé. La code familia, nous sommes la code familia qui faisons des vidéos sur YouTube. Moi, si tu me dis qu'est-ce que la code familia, je vais faire comme ça, je vais le passer. Ça y est, on est arrivé, les amis. Après plus c'est du. Bon, hein. T'as vu, regardez, les gars. C'est beau. Canal Plus. Il nous a dit le taxi, ils vont pas nous laisser rentrer comme ça. Mais si. Hey, les gars, attends, il est où Yacine? Hey, Yacine, c'est pas un prank. Pourquoi tu filmes? C'est pas un prank, les frères. Ah bah si, c'est pas un prank, ça. Je voulais pas venir, mais là, je veux venir. Là, c'est bon, tu veux venir? Les gars, c'est parti, on a reçu. Et le code Canal Plus. Oh, regardez à droite, Yacine. Regardez, les gars, il y a Jamel Debbouze. Regardez, Jamel Debbouze. C'est pas toi à droite. Non, c'est pas moi. Il y aura bientôt nos têtes. Attends, vous reconnaissez qui à part Jamel Debbouze là? Où y a Gad Elmaleh? Ah non, c'est Gad Elmaleh. Non, moi, je connais la dame, la blonde, je la connais. Regardez, à lui, c'est qui présente les émissions de fond. Hervé Matou. Je connais lui aussi, là. Vous le connaissez, lui? Ouais, je connais. Bon, bah là, on doit attendre à l'accueil, les Rey. Vous êtes pas stressés, ça va? Non, ça va. On va rigoler. On leur fait un proc. Non, je rigole. Regardez là-bas, vous avez pas vu. Oh, il y a Marcy. Faut laisser nos affaires là. C'est quoi? Faut laisser nos affaires. Viens, on va passer au maquillage. C'est sympathique. Là, c'est la télé, c'est pas YouTube. Déjà, on est content de vous rencontrer. Monsieur Vincent, c'est ça? Ouais, c'est gentil. Et Mia. C'est qui vont nous faire l'interview. Donc, merci beaucoup de nous avoir invités, en tout cas. C'est notre première fois, on est un peu stressé, mais ça va aller. De toute façon, l'habitude avec les vidéos, tu laisses aller en premier. Bah vas-y, c'est ça. Va te maquiller. Bonjour. Salut. C'est un peu. T'en penses quoi du maquillage? C'est la première fois on va passer à la télé. Bien, tu veux qu'on change de teint? On change de teint. C'est obligé pour avoir un bon teint. Tu passes tous les trois ou Ouais, tous les trois normalement. Malheureusement, là je rigole. je rigole. Une petite question. Quelle est la plus grande star que vous avez maquillée? Ça dépend pour qui. Parce qu'on n'a pas tout lieu de la vision des stars. Pour les jeunes, on va dire. Pour moi, personnellement, c'est Nekfeu. Après, pour d'autres personnes, par exemple, c'était Tony Parker. Et un footeur, peut-être. Nasri. Ah ouais, Nasri, bien. Nekfeu, je veux dire, c'est pas. Après Nasri, maintenant Yacine. C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas football. Vous aimez quoi alors comme sport? Basket, rugby,
Rugby, je connais. Toi aussi, tu vas passer au match. Ah, bah c'est au tour de Younes. Yacine, fais voir ton make-up. Waouh! Beau gosse! C'est de la magie. Pas mal de make-up. Younes, c'est la première fois que tu te maquilles? Non, je suis Je t'ai jamais vu faire ça, cousin. Je fais ça tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? Younes, jamais t'as fait ça. C'est pour avoir un bon teint. Pour avoir un bon teint à l'antenne. Ouais. Bah, je t'excuse. Si c'est pour le travail, je t'excuse. Il y a toutes les chaînes Canapus gratuites. Regarde, on peut regarder toutes les chaînes, s'il te plaît. Prends une box pour la maison. Ou une box pour la maison. Younes, s'il te plaît. Pour la maison, non? Non, pas une box pour la maison. Ne fais pas remarquer. En tout cas, ici, on a toutes les chaînes Canal. C'est incroyable. Ici, c'est la box secrète, les gars. Je veux le même. Je veux le même. On va vraiment se faire maquiller, nous aussi. Toi aussi, tu vas passer au maquillage parce que là, Yacine est en train de se faire maquiller. Là. Pas de rouge à lèvres. Pas de rouge à lèvres. Que du fond de teint. C'est à moi. C'est à toi, t'inquiète pas, ça va être discret là. Un petit c'est discret, ça va pas prendre toute ma tête. Non, t'inquiète. Pas de rouge à lèvres, s'il vous plaît. Oh non. Mais ça va pas bien, non? Non, s'il vous plaît. Toi, c'est discret. C'est parti, on va passer à l'antenne. Oh, t'as un bon teint là. Ah ouais? T'es comme mes pots de peinture. Non, je rigole. C'est pas qu'ils sont partis à droite. Ouais, ils sont là. À cause de toi, ça. Maman, je vais passer à la télé. Mais ça, on dirait une fille. Vas-y, là, évidemment. Bon, les gars, on vous emmène on avec. On nous fout de l'antenne, mais partout, frère. Mais je fous pas là, c'est un souvenir. Là, il va mettre à jour la tenue. Impeccable. Ils sont en train de préparer, là, c'est une dinguerie. T'as dit quoi, Yacine? Qu'est-ce que Code Famille, c'est toi qui réponds? Ah ouais, c'est moi qui réponds. Vas-y, comment ça bégaye? Moi, je vais tout renvoyer sur vous, les gars. Là-haut, on a un retour. Regardez, les gars, y'a qui? Y'a Yacine à la télé. L'interview, elle est finie. Finalement, je suis plus stressé, Younes. T'es plus stressé, t'as ça vu est, tout est... On n'a pas présenté. C'est pas grave. Rien n'est stressé. Le meilleur animateur. Le meilleur animateur. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton équipe de foot préférée? Je dirais le Real Saint-Germain. C'est l'équipe que je viens d'inventer. C'est le mélange entre Real et Paris Saint-Germain. Ah, ok. Et ton joueur préféré? Je dirais Cristiano Mbappé. Je le connais, Cristiano Mbappé. Je le connais, Cristiano. C'est vrai. Il joue au Real Saint-Germain, d'ailleurs. Et on peut te retrouver, les abonnés peuvent te retrouver quand pour les émissions football? Football pour les réseaux sociaux. Insta, Tony Barnagal, vous tapez ça, ou Football sur YouTube, vous trouvez tout. Ok, bah merci beaucoup. Merci. Canal Plus Kids, c'est vrai. Canal Plus Kids. Oh, t'as failli te faire gronder là. Impeccable. Bon, les gars, ça va, c'était cool. Ah oui. Une petite célébration. Vas-y, fin. Impeccable. Pourquoi t'enlèves? Fallait laisser. C'est l'heure du démaquillage. Ouais, t'enlèves, ça y est. Yacine a dit ouais, je sais pas quoi, il a fait une fond de teint comme les filles. Moi j'enlève, bon, ça y est. Oh là là, c'est vrai que t'avais un pot de fond de teint. Ça va, toi aussi tu commences. Moi je le laisse, moi les gars, je le laisse. La prochaine fois, il s'en met des fossiles. Vous êtes des malades, non, c'est juste pour la télé. On vient finir l'émission et là on a rencontré deux abonnés. Comment tu t'appelles? Naïl. Et Caïs, figurez-vous qu'ils vont passer à la télé. En vrai, ils vont passer sur YouTube et après à la télé. Et ils nous ont dit qu'on était sur cet écran, on savait pas. C'est-à-dire que vous nous avez vus. Voilà. Ah, bien. Les gars, c'est votre première fois à la télé? Ouais. Attendez, vraie question. Qui a été le mieux à la télévision entre nous trois? C'est moi. Les trois. En vrai, ça va. Je vais vous poser une question, ça va vous échauffer, ok? Le premier qui a la réponse, il lève la main, je l'interroge. Qui est le meilleur buteur en ce moment du Real Madrid? Naïl? Mbappé. Monsieur Mbappé, 1-0. Est-ce que tu peux faire la célébration d'Mbappé, s'il te plaît? Mbappé! Ah oui, il est prêt pour la télé. C'est vrai. Je vais te poser une question. Cite-moi un attaquant du PSG. Tu supportes Marseille. Dembélé. C'est ça. Et Dembélé, c'est le numéro? C'est le numéro. Ah voilà, double réponse. Bah, les gars, bon courage, force à vous pour l'émission. Et on regardera ça à la télé. Merci. On est passé à la télé. On est passé à la télé. Oh, les gars, je sais, vous allez me dire que ça va sortir quand? Dis-leur. Les gars, fin octobre. Quand c'est Halloween, les monstres, quand c'est... Par contre, pas. Je te laisse dire à Myriam que ce qu'elle est pas venue, c'est à cause de toi. Non, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui aussi. Yacine. C'est lui. C'est Myriam, Yacine. Désolé, elle va arriver de l'école là où je sais pas d'où elle va arriver. Je me dis que c'était pas bien. Par contre, toi, tu nous as foutu là, on t'a filmé tout. Non, les gars, je vous ai tout filmé. Moi, je vous dis, quand je viens, toute la famille, elle vient. Voilà, tout le monde. Là, on attend Myriam et vous lui annoncez la nouvelle. Moi, je lui annonce avec plaisir. Mais c'est toi qui as pas voulu qu'elle vienne. Hey, venez, on range les costumes, on fait comme si on n'était pas passé. Vous êtes chaud? Mais elle va voir la vidéo, mon frère. Il veut lui cacher maintenant. Je veux cacher. T'as vu, c'est toi. Coupe. Younes. Oh, Myriam. Vous êtes rentrée? Oui, ça va? Non, ça va pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis en train de voir devant que vous étiez à Canal Plus. Mais c'est pas de notre faute. Il a dit en mode que c'est mieux pendant l'école parce qu'il y a personne sur la route. C'était grave loin. Et c'était claqué. Il y avait des lumières dans mes yeux. J'avais mal à la tête. Il me posait des questions. C'était trop dur pour répondre. Je te jure, t'aurais stressé. Et tu veux ramener un truc au moins? Ouais. Alors, je t'explique. Ça, c'est pas n'importe quel scotch. Elle a attaché notre marque avec. Genre en mode, quand on n'a pas le droit de mettre des marques, il l'a attaché sur. Oh, Yacine, il va mieux t'expliquer. Canal Plus, c'était incroyable, Myriam. Non, en vrai, c'était pas si bien que ça, Myriam Canal Plus, je te promets. Hein, c'était en mode. On était assis, on discutait, c'est tout. Hein, c'était pas de ouf. Du coup, vous m'avez ramené un scotch. Bah, c'est le scotch qu'on a attaché sur la marque pour le cacher. C'est un souvenir. C'est un souvenir qu'on t'a ramené. Mais t'inquiète pas, t'as rien manqué. Hein, c'était pas très top en vrai. Ouais, c'est bon, pas là-bas. Je pense qu'elle a bien pris. Je sais pas si elle l'a bien pris, les gars, mais en tout cas, Canal Plus, c'était trop bien. Myriam, je sais que t'es super énervé. Je te promets que la prochaine fois, on te ramènera avec nous. Mais y aura pas de prochaine
une fois. Si, peut-être. Si, il nous a dit à bientôt. À bientôt, il a dit peut-être qu'il va nous réinviter. Tu pourras venir, d'accord. En plus, sur le plateau, je t'ai fait une dédicace. Ouais. C'est ça, quand tu vas me dire, vous allez pendant que je suis à l'école, on se sent que vous avez exprès de choisir ce jour-là. Mais Myriam, la prochaine fois, on te ramènera, promis. D'accord, tu viendras avec maman, ok. Il n'y aura pas de prochaine fois. Si, tu verras. Bon, en tout cas, la famille, nous, on vous laisse là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On va regarder l'émission, on va bien rigoler sur vous.